Rock and Pop Stories. Elvis Presley, Don't Be Cruel, 1956. Il est rare que nous remontions aussi loin dans le temps. Mais comment parler du rock sans évoquer au moins une fois Presley? Ce que nous n'avons encore jamais fait dans ces chroniques. Difficile de mieux se rattraper qu'avec ce titre emblématique du King. Même si la chanson porte aussi la signature de Presley, il n'en a rien écrit. Don't Be Cruel est l'œuvre de Otis Blackwell. Pourtant, ça ne va pas très fort pour Blackwell lorsque nous le retrouvons le soir de Noël 1955, se réfugiant au chaud sous le haut vent de Brill Building de New York. Il pleut, il y a des trous où se mêlent de ses chaussures. C'est ainsi que l'un de ses copains, Leroy Kirkland, le croise. Leroy lui demande s'il a écrit de nouvelles chansons. « Oui, répond Otis. » Accompagné de Leroy, Blackwell pénètre dans l'immeuble qui est en train de devenir une pépinière de talents musicaux, des éditeurs s'étant regroupés dans ce building. Il y a de la musique à tous les étages. En une semaine, Otis réussit à placer 6 chansons, vendues 25$ chacune. Même si c'est le dollar des années 50, ça ne fait pas lourd, mais ça le dépanne. Les éditeurs, se rendant compte de son talent, l'embauchent à plein temps pour écrire des hits à la chaîne. C'est peu de temps après qu'on lui signale que ce type de Memphis dont on parle beaucoup, un certain Elvis Presley, souhaite chanter l'une de ses chansons, Don't Be Cruel. Seul problème, le type est gourmand, et bien qu'il n'ait écrit ni une note, ni un mot de la chanson, il veut la moitié des droits d'auteur. La première réaction de Blackwell est de refuser. Mais tous ses amis lui conseillent d'accepter. Après tout, la moitié de quelque chose, c'est mieux que rien. Et puis ajoute-t-il, ce type a la cote actuellement, il va peut-être en faire hit, et alors là, tu toucheras le jackpot. Contrarié, mais convaincu, Otis Blackwell accepte. Est-il utile de préciser qu'Elvis n'est pour rien dans ses tractations? Elles sont l'œuvre de son manager Rotor, l'autoproclamé colonel Parker. Pour ceux qui l'ignorent, Parker n'a jamais été colonel, mais son premier métier était d'être monsieur loyal dans un cirque, vêtu d'un uniforme rouge chamarré, d'où son surnom de colonel. Otis Blackwell a eu raison d'accepter le deal. Don't Be Cruel est couplé sur un single avec Hound Dog. Le disque sort le 13 juillet 56. Il n'y a pas de face A ou B. Les deux chansons sont défendues et jouées par toutes les radios du pays. Et pour la première et unique fois dans l'histoire des hit-parades américains, le même single génère deux numéros 1. Le 18 août 56, le magazine de référence Billboard déclare numéro 1 conjoint Hound Dog et Don't Be Cruel. Si c'est Hound Dog le moteur initial du succès, Don't Be Cruel va rester classé plus longtemps et le single est couronné quadruple platine. Elvis va réenregistrer Don't Be Cruel le 4 décembre 1956, entouré d'un casting de légende. Écoutez plutôt aux côtés d'Elvis, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis et Johnny Cash. Cette session d'enregistrement a été judicieusement baptisée The Million Dollar Session. Quant à Otis Blackwell, il va multiplier les hits pour Elvis, mais aussi pour Peggy Lee, pour qui il écrit le classique Fever, sans oublier le Great Balls of Fire pour Jerry Lee Lewis. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.